Bonjour à tous, c'est Pierre pour AndroGames.fr. Aujourd'hui, on va faire l'unboxing du Honor 6. Parce que donc j'ai reçu le Honor 6 de près, puisque le mien serait apparemment peut-être défectueux. Donc, ils m'ont envoyé un Honor 6 donc, de test cette fois-ci et d'une autre couleur. C'est pour ça que j'ai décidé aussi de refaire cet unboxing et surtout qu'on l'a pas fait sur notre chaîne. Donc bien sûr, au niveau de la boîte, on a quelque chose qui est exactement pareil que le Honor 3C. Donc le Honor en surimprimé transparent. Cette fois-ci, on a le logo, donc Honor, avec cette écriture un peu particulière. Le tout dans un bleu ciel. Ici, normalement, nous avons donc le scotch de garantie pour dire qu'il a bien été scellé et que normalement, personne ne l'a ouvert. Donc là, on l'a envoyé, on l'a mis à jour, tout ça. Donc c'est normal qu'il soit comme ça. Ensuite, donc, il y a l'étiquette pour dire quel est le modèle. Donc le H60L04, il faut savoir qu'il y en a pas mal. Et après, donc, le numéro de série, ici, normalement, l'IMEI, que je cache, bien évidemment. Et voilà, on va ouvrir ça. Yep, là. Donc, cette fois-ci, on se retrouve avec le Honor 6 noir. Et tout franc, en plus, je viens de le recevoir. Et bien, ça fait vraiment autre chose avec le Honor 6 noir, je trouve. Je suis en train d'apprécier. C'est très différent, c'est une impression totalement différente quand on l'a en noir, par rapport au blanc. Je trouve qu'il est beaucoup plus classe, et que les bords, par contre, se ressortent plus par rapport à avant. C'est plutôt sympa. Hop. Donc je rappelle en même temps que donc sur notre playlist smartphone, je vais essayer de faire comme ça. Sur notre playlist smartphone, nous avons. J'ai mis en. Sur notre playlist le test du Honor 6. Donc, c'est la version blanche, celle que j'ai normalement, qui marchait déjà plutôt bien. En version 2.3 au niveau de la surcouche. Donc, si vous voulez la découvrir, n'hésitez pas à aller visiter. Et puis, sinon, on va faire sur 3.0 comme c'est prévu. Mais cette fois-ci, avec du noir. Donc, ce qu'il y a de bien avec ce Honor 6. C'est que nous avons donc là où on a tout ce qui est carte de garantie, etc. Donc les trucs bien classiques pour bien démarrer son téléphone. On a deux films de protection. Alors moi je trouve que c'est vraiment une très bonne idée, quelque chose qui devrait même se développer. C'est déjà Sony qui avait commencé avec en mettant des films de protecteurs directement sur ses smartphones en sortie d'usine. Donc là Honor préfère nous les donner comme ça. Alors moi sachant que je suis pas très très doué, à chaque fois j'arrive toujours à laisser des choses dessus. Donc c'est dommage que ce soit pas encore posé, mais c'est déjà bien qu'il soit proposé. On a la face avant et la face arrière, histoire d'avoir un mobile complètement protégé. Ensuite, nous avons donc classique, câble Huawei, câble USB, micro USB, tout ce qu'il y a de plus classique pour pouvoir charger et connecter au PC. Et bien sûr, le chargeur, gros chargeur bien imposant, qui délivre du 2 A afin de recharger rapidement ce mobile. Donc avec tout ça, maintenant je vais pouvoir me remettre sur le Honor 6 et j'espère que donc, je ne vais pas rencontrer. J'espère que ça va être quand même quelque chose de défectueux parce que sinon ce serait dommage que ce soit une mauvaise optimisation. Et donc je vous dis à bientôt et d'ailleurs le test du Honor 3C devra arriver d'ici très peu de temps. Merci à vous et à bientôt pour de prochains tests.